Bonjour à tous, bienvenue. On m'a demandé, je suis Jonas Thiocourt, je suis enseignant-chercheur à l'ENSM. On m'a demandé de réaliser une courte vidéo avec les élèves pour les journées portes ouvertes. Donc l'idée, c'est de vous présenter les TER. Alors les TER, qu'est-ce que c'est? Les TER, c'est travail d'études et recherche. C'est ce que font les étudiants ici en Master 1. L'idée, c'est de leur soumettre des problématiques apportées par des entreprises avec une composante R&D forte pour que ils puissent proposer des solutions si possible innovantes. Alors là, on va découvrir un TER qui s'appelle Antarctica. On travaille avec une entreprise locale qui a commercialisé en fait un procédé thermoacoustique pour faire du froid à partir du chaud. Et l'idée, c'est d'appliquer ça au moteur marin pour récupérer finalement de la calorie sur les gaz d'échappement, avec cette calorie en faire du froid et utiliser ce froid pour refroidir l'air à l'admission moteur, et on espère améliorer les performances, en tout cas l'efficience énergétique du moteur. Voilà, donc on va aller voir ce qui bricole dans l'atelier. Hop. Donc là, c'est l'atelier moteur. Donc ici, il y a le moteur sur lequel on fera les bancs d'essai pour les tuyaux. Super. Il y aura un échangeur derrière. Il y aura sûrement ici le prototype des tuyaux. Et par ici, il y aura l'échangeur pour récupérer du coup, les gaz d'échappement avec lequel on va créer du froid grâce à la thermoacoustique. D'accord. Là, sur cet ordinateur, on est en train de monitorer les différents capteurs qu'on a installés. Donc, on a installé une sonde de température et d'humidité. Alors, il y en a une qui est juste ici pour avoir la température et l'humidité de l'environnement ambiant. On va en installer une autre au niveau du moteur. Et alors, on a surtout ce capteur de niveau qui va nous permettre, en fait, alors ça, c'est une éprouvette de test qui est directement reliée au circuit combustible. Et ça va nous permettre d'évaluer justement une différence de consommation, puisque c'est le but du projet, c'est de réussir à, grâce au système de l'entreprise Equium, d'avoir une réduction de la consommation de carburant. Et ça, c'est ce qui va nous permettre justement tout ça, de venir tout monitorer pour l'installation et de faire les mesures. Super. Hop, le petit mot de la fin. Et du coup, en fait, pour nous, le TER, ça nous permet déjà de travailler en équipe, mais surtout de travailler avec des entreprises qui sont en dehors de l'école, qui vont déjà nous permettre d'avoir un premier contact avec des entrepreneurs qu'on aura plus tard dans notre futur métier, mais aussi de créer notre premier réseau grâce à ces connaissances. Et puis aussi, bien sûr, ça va nous apporter des compétences techniques, puisque là, donc nous, sur ce TER-là, on va avoir des compétences de thermodynamique, on apprend l'instrumentation, etc. Et en fait, ça va juste nous enrichir. Et puis aussi, au final aussi, puisqu'on va devoir écrire un mémoire et passer une soutenance, ça va nous apprendre aussi à faire ça et à apprendre à parler devant un jury. Et voilà. Ok, super, merci. Bon, bon courage à tous.